quoi tu penses, une émission proposée par Marion Richet et Antoine Amrel est réalisée dans les studios de RCF Sarthe par Mathieu Goualard. Le progrès, un mot encore auréolé de prestige, d'invincibilité, lui que l'on n'arrête pas, promu comme tel accélérateur du bonheur humain. On ne peut dénier avec l'ivresse aujourd'hui exponentielle des innovations technologiques la dernière version d'un objet étant attendue parfois avec fébrilité dans les foyers comme si notre bonheur en dépendait on ne peut donc dénier que le progrès fait encore aujourd'hui l'objet d'un culte en somme rien de moins objectif que notre rapport au progrès mais qu'en est-il comment cela a-t-il commencé comment en sommes-nous arrivés à devenir amoureux du progrès technologique s'entend-il et existe-t-il d'autres formes de progrès moral voire spirituel nous allons revenir dans le premier temps de cette émission sur les étapes historiques d'un emballement occidental à propos de l'idée du progrès, pour nous pencher dans la seconde partie de l'émission sur l'ombre immense projetée par notre étincelant progrès technique. Alors d'emblée, c'est vers l'étymologie de cette notion qu'il faut se pencher parce que... Le problème commence ici. Le progrès ne désigne pas ce qu'il est censé désigner. Oui, parce que au départ, euh, le mot progrès est un terme tout à fait euh, neutre, tout à fait banal, on va dire, qui n'est pas chargé d'affect ou de vertu euh, particulière. Progrès, c'est le préfixe en latin, donc pro en avant, euh, devant, et progressus qui désigne la marche en fait, le fait de marcher, le fait d'avancer. Donc c'est là une marche en avant. Donc c'est ça que vraiment que définit le progrès. Donc comme je le disais, c'est un terme totalement neutre, qui n'a pas de qualité particulière, qui n'est pas qualitatif, qui n'est pas quantitatif. Il marque juste un processus finalement d'évolution et d'avancée. C'est un terme évidemment que l'on retrouve dans la littérature classique très souvent pour désigner notamment l'évolution ou l'avancée d'une armée. Donc bah, oui, l'armée progresse, ça ne veut pas dire qu'elle progresse nécessairement dans la victoire ou dans ses... En tout cas, elle avance pour aller au combat et ce combat peut être victorieux ou être une défaite. Et dans, en ce sens, c'est aussi intéressant dès le départ de, de voir que bah oui, bah, le progrès peut être soit une victoire, soit une défaite. Et fait. on parle aussi de progrès d'une maladie. Exactement. Une... Donc il y, y a aussi cette acception là qui montre le, une certaine forme d'ambiguïté, puisque on, certes, on parle du progrès d'une maladie, puisqu'elle va progresser, elle va se développer au sein d'un organisme. Mais de la même manière, on va parler du progrès de la vaccination. C'est exactement le même mot. Et on voit que ce sont là, dans ce cas de figure, deux choses totalement antithétiques, puisque... Alors que l'épidémie progresse, la vaccination progresse et donc euh, la, la solution se trouve alors que le, le, le problème lui-même lui progresse. Enfin, donc euh, voilà, on, on retrouve encore ici effectivement marqué par ce terme toute l'ambiguïté du mot du mot progrès. Donc on constate que l'étymologie elle est neutre, c'est juste un processus, mais par contre nous dès qu'on parle du mot progrès il est chargé de l'idée d'une d'une victoire, de quelque chose mmh, qui va voilà. vers le mieux, vers un horizon radieux, grâce à... Et ça, ça arrive assez vite, en fait. Alors, l'apparition du mot « progrès », à proprement parler, en français, elle date du XVIe siècle. La première acception du mot, c'est dans le dans le tiers-livre de Rabelais. Et là, mmh. euh, il l'emploie justement dans une dimension euh, donc littéraire, qui est de, de parler du, du progrès d'une armée, donc, mmh. ce dont je parlais tout à l'heure. La deuxième acception... C'est celle euh, qui est faite par Montaigne, en fait. Et là, on voit qu'il y a déjà un saut euh, qualitatif qui s'opère, puisque lui, il le définit comme la transformation graduelle vers le mieux. Donc, on a là, s'instille déjà l'idée que bah, le fait d'avancer, le fait de progresser, c'est que ça va permettre quelque chose de, de mieux, de plus, de, 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 de positif, en fait. Quel auteur Montaigne. Montaigne. Ça, c'est Montaigne. Oui, donc, déjà, l'évolution voilà. est marquée. Et, comme vous mmh. le disiez aussi en introduction, il y a par rapport à à la notion de progrès, quelque chose qui relève un petit peu du mythe ou d'un grand principe en fait. Et euh, on pourrait le comparer à des grands principes comme, euh, je veux dire, un grand principe à majuscule. On pourrait le comparer par exemple à, à la liberté ou à la vérité. Mmh. Et finalement, euh, qui, dans l'absolu, est contre la mmh. liberté ou contre la vérité C'est un peu le... <laughs> Avec un principe à majuscule, ben bah oui, chacun se range en fait à cette idée, et on a tendance aussi très souvent à faire du progrès justement un principe à majuscule qui fait que bah, finalement, on finit par ne plus interroger euh, bah, la véritable finalité de, de la chose ou sa, sa raison d'être, ou en tout cas euh, si ce qu'il porte est véritablement euh, positif comme on pourrait le souhaiter. Donc voilà, on voit il, voit il y a vraiment toutes ces ambiguïtés. Et vous parliez aussi de l'expression que je trouve assez symptomatique on n'arrête pas le progrès. Qui marque aussi cette idée de fatalité. Finalement, bah oui, on est pris dans le progrès. Ben bah, il faut bien vivre avec son temps, il faut bien le supporter, il faut bien. Et c'est chouette finalement. Et d'un autre côté, dans cette expression, elle est très souvent utilisée aussi au quotidien pour dire, bah on n'arrête pas le progrès, pour montrer un peu le côté dérisoire en fait de cette marche mmh. en avant et de cette course, et de montrer que euh, bah, il conviendrait peut-être justement d'arriver à s'interroger si le progrès que l'on vit est souhaitable, désirable et, euh, et doit être Pérenniser on doit, on doit toujours courir vers quelque chose de nouveau et vers ce progrès. D'ailleurs, si on regarde un peu les mythes, donc notre bienfaiteur Prométhée, euh, dès l'origine, euh, dans le, certaines versions, on voit déjà des lectures antagonistes, une vision à la fois optimiste et, et critique du progrès. Oui, c'est pareil, cette espèce d'antinomie de, de, dans la lecture qui peut être faite du mythe de Prométhée il y a la version euh, d'Hésiode qui est la version la première et il y a la version d'Échil qui lui succède. Alors celle d'Échil est totalement positive hein, puisqu'il fait vraiment de Prométhée une la, la figure positive, celui qui qui va apporter le progrès, permettre le progrès de l'humanité en permettant justement à l'humanité d'accéder euh, à la conscience, c'est-à-dire que dans sa conception du mythe de Prométhée, c'est celui qui va faire passer L'espèce humaine de, de, de la bête à devenir un être raisonnable, et ça, ça passe par le progrès, puisque Pr Prométhée, c'est celui qui confie aux êtres humains euh, des méthodes de connaissance scientifiques, comme les, les mathématiques, euh, l'astronomie, euh, la médecine, euh, la divination, mais c'est aussi celui qui va être le dispensateur de dons techniques, comme le, le travail du feu, la métallurgie, etc. Ça, c'est la vision des Schild, donc au 6e, 5e siècle, et a contrario, il y a la vision des Iones qui la précède, qui est, date du huitième siècle, qui est toute différente puisqu'il est beaucoup plus critique par rapport à l'acte Prométhéen, euh, sachant que voilà l'un des épisodes du mythe, c'est que Prométhée donne le, le feu aux, aux hommes, et à travers le feu, en fait, beaucoup de choses nouvelles sont, sont possibles, euh, sont possibles pour l'homme. Bien sûr, derrière le feu, c'est l'idée de la connaissance, l'idée du savoir, et donc euh, quelque chose de nouveau qui est donné à l'homme. Mais euh, ce don du feu, bah, il permet plein de choses puisque c'est le feu, c'est ce qui va permettre de cuire les aliments, de se chauffer, de s'éclairer. Mais à contrario, le feu, c'est aussi ce qui brûle, ce qui, euh, ce qui consomme, ce, ce qui détruit. Donc ça, c'est vraiment présent dans la lecture d'Hésiode. Et ce que montre aussi Hésiode, qui est intéressant, c'est que par son acte, par son acte qui est censément un progrès, par tout ce qu'il apporte aux hommes, prométhée va euh, d'une certaine manière défaire le bel ordonnancement, en fait, du monde. Euh, le bel ordonnancement divin du monde, il va le défaire par cet acte qui est basé sur un vol, en fait, le, le vol du feu pour, pour le donner aux hommes. Et donc, il y a cette, aussi cette, encore là, on, on voit encore cette ambiguïté qui marque profondément euh, euh, la notion de progrès à l'intérieur euh, du mythe de Prométhée. Et est-ce que le, le fait qu'il soit puni en étant rongé, en ayant foie rongé chaque nuit, est présent dans les deux versions euh, je ne saurais le dire. Je ne serais pas catégorique, mmh. mais il me semble que oui. Enfin, le, la base du mythe en elle-même reste la même. Après, c'est effectivement un, un mode de lecture qui est différent. Et derrière mmh. aussi le mythe lié au mythe de Prométhée et donc à ce mythe du progrès est relié aussi le, le mythe de Pandore, puisque oui. Prométhée a un frère et euh, voilà, ils doivent se répartir les tâches et euh, et en fait. Euh, Pandore est envoyé aux frères de Prométhée qui en tombe amoureux et en fait, comme corollaire de, de l'histoire de Prométhée, il y a donc cette boîte de Pandore et quand cette boîte de Pandore est ouverte, eh bien c'est la guerre, la famine qui se qui se déverse, qui se, qui qui sur, se le déverse sur le monde, qui se déverse sur mmh. la terre et là on voit encore que, ben voilà, tout progrès peut porter en lui-même une en tout cas une menace ou en tout cas n'est pas une valeur en soi définitive et positive. On va écouter si dans le, la version qu'on a fait France Liszt, euh, il y a cette, cette sourde menace de, du progrès dans ce, le morceau Prometheus. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps après euh, la musique de Franz Liszt qui date donc du XIXe siècle, mm -hmm. pour retrouver euh, après cette teinte un peu en, en mineur un enthousiasme donc celui de Francis Bacon en 1620 dans le Nouveau Morganum, qui est vraiment donc le premier texte où euh, le philosophe un philosophe emploie le progrès selon vraiment une acception très positive, améliorative et en, en lien avec le temps. Donc on va écouter ce texte. Ce qui a empêché les hommes de progresser dans les sciences il les a retenus comme sous l'effet d'un charme, c'est encore le respect de l'Antiquité. L'opinion que les hommes se forment de l'Antiquité est tout à fait superficielle et ne s'accorde guère avec le mot lui-même. C'est en effet la vieillesse et le grand âge du monde qui doivent être tenus pour la véritable Antiquité. Et il faut les attribuer à notre époque, non plus à l'âge plus jeune du monde qui fut celui des anciens. De même que nous attendons une plus grande connaissance dans les choses humaines et un jugement plus mûr d'un vieillard plutôt que d'un jeune homme, à cause de son expérience, de la variété et du nombre des choses qu'il a vues, entendues et pensées, de même il convient d'attendre de notre époque, si elle connaissait ses forces et voulait les éprouver et les étendre, de bien plus grandes choses que des premiers temps, pour autant qu'elle est un âge plus avancé du monde, augmenté et enrichi d'une infinité d'expériences et d'observations. On constate donc dans ce texte un retournement de la notion d'antiquité. Ce ne sont pas les anciens qui sont les vrais antiques, mais les modernes, puisqu'ils sont plus vieux, ils ont plus vécu, ils ont plus de siècles à leur actif. On constate donc que le progrès, la notion de progrès, s'indexe sur l'idée du temps qui passe, avec ce postulat, plus le temps passe, plus je suis chargé d'expérience, donc meilleur je suis. Oui, voilà, il y a vraiment une, cette corrélation entre le, le temps et le savoir. Et effectivement, euh, Francis Bacon, donc euh, philosophe euh, fin du XVIe, début du XVIIe siècle, comme vous le disiez, est l'inventeur au sens premier de, de la notion de progrès dans une perspective positive. Il a écrit Du progrès et de la promotion des savoirs également en, en, en 1605, un, un autre de ses ouvrages. Donc, on voit à travers ce titre déjà qu'il y a tout un programme. Et comme vous le disiez aussi, c'est que il euh, y a l'interrogation de c'est le rapport en fait de la modernité à l'antiquité. En fait, il ouvre aussi une question euh, Francis Bacon à cette époque-là qui va, qui va durer pendant des décennies, qui va occuper pas mal les philosophes. C'est c'est justement le, le tribut de de, de l'antiquité. Et euh, en fait, à partir de là, est-ce que euh, l'antiquité euh, était jusque-là une sorte d'âge d'or qu'il fallait euh, Rejoindre. rejoindre une sorte de piédestal qu'il fallait aussi rejoindre ou en maintenir les idées vivantes. Mm -hmm. Et finalement, dans ce rapport au temps, le temps était un temps finalement corrupteur par rapport à cet idéal, un temps de déclin, de décadence de la pensée. Et en fait, maintenant, on voit que dans ce texte, il inverse complètement la, la proposition en montrant effectivement que par un système d'addition temporelle et d'addition des connaissances, eh bien, on va vers le progrès, on va vers le fait de connaître davantage de choses. Et ce progrès, il se fait aussi pour Bacon dans une perspective vraiment scientifique, c'est-à-dire que c'est la science expérimentale oui. qui est le moyen de connaissance appropriée du monde qui va ouvrir à la possibilité du progrès. Alors le, le revers de cette conception, c'est que dès lors qu'une connaissance ou un savoir ou une théorie est élaborée, dans le passé, elle est disqualifiée par la même. Les adeptes du progrès considèrent, par exemple, que la philosophie de Socrate, bah, elle est, elle est désuète parce qu'aujourd'hui elle est remplacée par des idées neuves. Donc il y a un risque de, à cause de cette, du fait qu'on indexe la vérité sur la temporalité, il y a un risque de, de rendre obsolète des vérités. Ah, C'est la promotion de la nouveauté, en fait. Et d'indexer aussi les <laughs> différents types de connaissances sur la science, ne pas comprendre qu'il y a une Sinon une éternité, du moins une durabilité des idées autre que, que oui, scientifiques, oui, comme philosophiques. C'est le vrai problème d'accorder du poids aujourd'hui à des pensées d'il y a plusieurs siècles. L'argument principal, c'est c'est vieux. Donc c'est donc donc donc, donc disqualifié tout à fait. et ne, ne compte finalement que des perspectives nouvelles. Mmh. Pour conclure, on peut peut-être juste dire que le, finalement, pour Bacon, le, le progrès vient combler un vide et un manque dans le domaine du savoir et que par conséquent euh, cette accumulation du savoir va permettre d'accoucher de, de quelque chose de nouveau et de nouveau qui est nécessairement bon puisque mmh. on se défait finalement progressivement euh, euh, l'homme en vieillissant euh, bah, gagne en, gagne en connaissance et donc par conséquent accède à, à plus de bonheur et, et ça c'est peut-être aussi quelque chose que l'on va voir dans l'approche suivante avec une ambiguïté entre le savoir théorique le indexé sur la science expérimentale et ce que j'appelais expérience, plutôt du côté du savoir et pas du côté de ce, cette sagesse ancestrale. Mais il faut quand même attendre donc, le siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, pour euh, voir vraiment euh, la religion du progrès. Là, c'est vraiment une étape fondamentale dans laquelle nous sommes encore, malgré les remises en question actuelles. Les philosophes des Lumières considèrent que l'instruction va aller de pair avec le bonheur et avec le la qualité morale du monde il y a vraiment un lien une alliance entre l'amélioration intellectuelle et le bonheur et le bien et la moralité. alors plus que de religion du progrès je parlerai pour cette époque là en tout cas de religion de la raison mmh. c'est à dire que l'idée c'est que le progrès c'est le développement historique de la raison dans l'humanité mmh. donc c'est vraiment un développement qui est rationaliste et l'idée c'est de s'écarter finalement de toute forme de superstition et donc on travaille au développement de à cette époque là du, de l'enseignement de l'éducation ça c'est des, des, des vertus premières et derrière ça effectivement ça vise à discriminer tout ce qui est de l'ordre du seulement du, du sensible ou euh, travailler au fait de dire que bah oui c'est le combat de la liberté contre une forme d'autorité euh, voilà dans, par exemple dans le champ politique hein, c'est quelque chose de très présent ou le combat d'un certain nombre d'illusions euh, que la religion, par oui. exemple, par, la par rapport à la raison. C'est la des religions, voilà. au sens où elle euh, rabattit sur le plan de la superstition, donc de la croyance erronée, toute forme de surnaturel ou de transcendance. Oui. Donc la raison devient uniquement immanente, sans encore rapport à la transcendance. Contrairement à certaines versions de la raison dans l'Antiquité alors peut-être ceci est-ce qu'un des symboles de ce progrès de, de, de la raison et de cette volonté de, de comprendre, de, de, de relier les connaissances entre elles, c'est l'un des plus beaux symboles. c'est peut-être mmh. l'encyclopédie finalement diderot d'alembert. et je vais juste te donner la définition que donne euh, diderot de, de l'encyclopédie dans l'encyclopédie elle-même. il dit le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons. Et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui succéderont, que nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux. Donc c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est que on va être plus instruits, on va développer la connaissance, les savoirs, ça va être un réel progrès, et ce progrès, il a aussi la vertu justement de nous rendre plus vertueux et de nous rendre plus heureux. Donc, euh, donc il y a une sorte de, de corrélation, en tout cas d'enchaînement qui se fait, qui est euh, voilà, qui est propre à, à la conception du progrès telle qu'elle se fait à cette époque. En sachant que l'encyclopédie valorise aussi, ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui, tout ce qui est connaissance pratique, mm -hmm. euh, métier manuel. Manuel, oui, tout à fait. C'est une remise. Disqualifié en... aujourd'hui. Oui. Mais bon. effectivement, il y a cette association progrès intellectuel égal. Progrès moral. Il y a une. Progrès éthique, un progr acte progrès moral, progrès politique. Sur cette conception-là, qui sera. Euh, totalement... Et qui sera systématisée euh, à la fin de la période des Lumières, par exemple par Condorcet, qui, euh, dans son ouvrage Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, fait vraiment un tableau en dix parties euh, du progrès de, de, de l'esprit humain dans l'histoire, dans les sciences, dans la morale et dans la politique. Alors cette reprise historique euh, période de la conception du progrès est vraiment euh, éloquente. On voit vraiment que le, la notion de progrès se charge progressivement de valeur depuis l'Antiquité du euh, XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle. On arrive vraiment au XIXe siècle, qui est le siècle de la sculpte du progrès, des sciences, euh, de la dévalorisation de tout ce qui n'est pas science positive, et avec donc l'ère industrielle. Euh... Oui. Il y a vraiment un bon technique, un bon scientifique qui se fait à cette époque-là. C'est le développement de l'ère industrielle, productiviste, comme vous le disiez. Euh, et puis c'est en parallèle, effectivement, un certain nombre de travaux qui se mettent en, en œuvre, comme les travaux sur l'évolution euh, par Darwin. Et c'est aussi le grand siècle où, où on va classer les, les ce qui est la place des grands systèmes de classification des, <laughs> des savoirs, en fait. Quelque chose qui est très parlant. Donc on pourrait dire qu'à ce, cette époque-là, c'est vraiment le moment où la machine s'emballe, où le Technique et matériel offrent des possibilités nouvelles. Il semble inarrêtable, et donc il n'est pas étonnant que là on rentre véritablement dans une forme de religion du progrès, telle que notamment la, la conceptualisait euh, le philosophe et sociologue Auguste Comte au début du XIXe siècle, hein, puisque lui-même fait du progrès vraiment une vertu qui est totalement indépassable. L'une de ses maximes, c'est, je le cite, l'amour pour principe et l'ordre pour base le progrès pour fin. Donc là, je veux pas dire... le drapeau brésilien. alors tout à fait, en fait, euh, c'est pas cette maxime là, mais en tout cas, le, le drapeau brésilien est directement en fait euh, ordre et progrès qu'on voit sur le drapeau brésilien. Il trouve sa source en fait dans la philosophie d'auguste comte qui était récupéré euh... En Amérique du Sud, à ce moment-là, elle a eu connu un très grand retentissement. Alors aujourd'hui, peut-être que Comte est moins moins connu, moins travaillé, moins moins présent dans les esprits. Mais à cette époque-là, euh, voilà, on est vraiment en plein pro, justement époque du progrès. Euh, cette philosophie-là connaît beaucoup, beaucoup de est très utilisée, ou en mmh. tout cas très reprise un, un peu partout. Ça rappellera des souvenirs à, de classes de philosophie à, à certains. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement la loi des trois états Alors si oui, il y a la, 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 la loi des des trois états, qui est d'une certaine manière, un peu une déclinaison de l'évolutionnisme. Donc la loi des trois états, c'est qui s'applique à l'évolution intellectuelle, développement social et politique. Euh, voilà. Il y a un premier état en fait de l'humanité, qui est lui-même subdivisé en, en trois parties. Euh, L'état théologique, donc le, le premier état, avec ses trois phases que sont le fétichisme, le polythéisme et le monothéisme. Donc on voit qu'à travers ça, c'est une conception du monde qui évolue donc euh, vers du, du polythéisme au monothéisme un deuxième état qui est l'état métaphysique ou l'état abstrait. Donc on quitte la sphère du surnaturel pour rentrer dans quelque chose euh, dans des entités abstraites pour mettre à jour des, des lois prétendument universelles. Ça c'est le deuxième état et le troisième état qui est l'état scientifique ou positif qui est celui dans lequel vit et évolue l'accomplissement de l'humanité. Voilà qui est l'accomplissement de l'humanité et c'est la période où on met en fait en sourdine la question du pourquoi au profit du comment, et comment se font les choses, et donc on essaye de déterminer ces lois, et le fait de déterminer ces lois va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension du monde, d'être plus ajusté à lui, et donc finalement d'être plus heureux, plus vertueux, d'avoir un système politique plus, plus pertinent, plus abouti. Et on verra dans la deuxième émission ce que le XXe siècle a fait de cette alliance entre progrès et moralité.